présenter des nouveaux objectifs que Cascade a réalisés. C'est ça qui nous a motivés à faire partie de cette nouvelle édition-là. Et on a eu beaucoup de succès. Les Mercuriades, c'est pour tout le monde. Alors, ce n'est pas juste seulement pour les grandes entreprises ou les réalisations exceptionnelles, mais c'est de s'inscrire dans toutes les catégories pour justement démontrer si on est à la hauteur comparativement à ce qui se passe au Québec. Notre premier Mercure de l'entreprise de l'année a été dans les années 80. Et renouvelé avec ce succès-là, ça a été encore une double fierté pour moi et pour la réalisation de l'entreprise dans des années difficiles. Alors, il faut comprendre que les Mercures sont là pour récompenser des performances. Ça nous motive à l'interne lorsqu'on s'inscrit, puis ça justifie aussi justement cet enthousiasme-là que les entreprises ont et que peu de monde justement connaissent parce que ça se passe à l'intérieur des bâtisses. Et ça, ça permet, grâce aux Mercuriades, de faire connaître ça à la grandeur de la province et même plus. C'est les ouvriers qui font la différence et c'est à eux qui est dédiée cette reconnaissance-là. Donc, c'est pour ça qu'on va continuer à se représenter et on va essayer de gagner encore. Le bénéfice qu'on en ressort en tant que dirigeant, c'est sûr que pour nous, c'est d'avoir fait un travail assez motivant pour que les employés puissent faire des réalisations un peu exceptionnelles. Alors, donc, c'est un travail d'équipe qui fait en sorte qu'on peut se qualifier et on peut être gagnant. Et par la suite, bien, on en retire des retombées de toutes sortes parce que c'est reconnu, les Mercures, au Québec. Alors, il faut absolument oser se présenter pour justement avoir cette fierté-là qui en ressort et aussi tout le positif des retombées indirectes chez les gens, chez nos fournisseurs, chez nos clients. Et ça, c'est, je dirais, non mesurable.